wish I didn't have to give in to the pressure. Uh-oh. Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, do the same, we'll be alright. Cause this pressure's really bringing me down. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les petits potes. On est parti pour un nouvel épisode de Soum Soum Business Class les petits potes. Et je regrette d'avoir acheté la Windsor Drop les gars. C'est un super véhicule de business que je devrais avoir dans ma collection. Mais je me rends compte que c'était la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que c'était vraiment pas le moment de l'acheter. Mais j'avais besoin de me faire plaisir. Donc je pense que je vais aller voir combien elle coûte. Je vais essayer de la vendre. Je sais pas si je peux récupérer mon argent. Normalement avec le nouveau système de Rockstar, tu récupères 100% du véhicule quand c'est le premier que tu vends dans les 24 heures. Si je peux récupérer 1 million, je récupère. On va bien voir hein. C'est quoi ce barouf là? LR. Bon lui il commence à me saouler déjà. Pense déjà à me saouler frérot, je viens juste d'arriver. Non mais elle est magnifique, je vais la racheter les gars, mais c'est, je l'ai acheté trop tôt, c'est juste ça. Attends, déjà elle est pas vendue, mais je l'ai acheté trop tôt les gars, j'aurais voulu m'acheter le cannabis en vérité. J'espère que je vais pouvoir la vendre à 100%, sinon je la vends pas, hein, tant pis. Hein, sinon je vais être obligé de faire l'acide, hein, tant pis. Hein. Je voulais pas, mais je le ferai hors vidéo au pire. Mais je vais être obligé de faire l'acide, frérot. Est-ce qu'on peut revenir sur notre achat? De toute façon, on va pas partir du custom, celle-là elle sera toujours dispo. Vendre. Oh non, Rockstar, what are you doing, seriously? J'ai pas vendu de véhicule, frérot, et elle est qu'à 640 000. Bon, moi, je suis obligé de la garder, les potes. Je peux pas la vendre. Mais c'est pas normal, Rockstar, ils avaient dit, ouais, dans le patch, le premier véhicule vendu est à 100%. Mais couille, ouais, il est pas du tout à 100%. Il va me péter, lui. Me pète pas, frérot, je suis pas d'humeur. Oh là là, bon, qu'est-ce qu'on va devenir, les gars? Oh, c'est bon. Bon, vas-y, commence à me saouler, lui. Allez, casse-toi. Oh putain, bon, comment je vais faire pour avoir de la thune? Je suis mort. Ah bah ouais, je suis mort. Ah putain, frérot, t'abuses, Rockstar. Parce que la Windsor Drop, elle coûtait combien l'achat? Ah, 845 000. Mais je comprends rien au système de... Ah non, la Windsor Drop, elle doit être plus chère. 900 000 et je peux la vendre 600 000. Mais j'ai foutu quoi de ma thune, frérot? J'avais 1 million 3. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, sérieux? Bon les gars, tant pis. Vas-y, on accepte notre destin. J'avais dit que j'améliorais la camionnette. Ah, pardon. On va aller jouer au casino, tant pis hein, les gars. Mais j'aurais pas le cannabis dans cet épisode. Allez, on va aller tourner la roue. Faire le strict minimum. Putain, c'est abusé que tu puisses pas vendre le véhicule 100% du prix, quoi. Elle est magnifique, j'ai grave envie de la voir. Mais putain, j'ai besoin de flouze. En plus, j'aime pas la capote. Je pensais qu'il y avait moyen de mettre un toit en dur. Ça, c'est encore la faute à Démonia. Il m'a dit, ouais, la Windsor Drop, elle est terrible. Ouais, mais elle est terrible. Mais j'aime pas la capote, frérot. La capote en toile comme ça, j'aime pas du tout. On est mort, les gars. On peut même pas acheter une matière première. On est mort. Là, c'est game over. Non, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis le truc. Là, j'aurais pas dû retomber à 0$ parce que je sens que ma motivation pour farm, elle est en train de baisser, les gars. Je vous dis la vérité. Je vais pas faire le mec. Ouais, les gars, on est trop heureux. Là, j'ai moins envie de farmer en ce moment. Donc là, c'est très dur mentalement. Là, 0$. On peut tourner la roue pour gagner cette bouse. Il faut de l'argent, là. Faut que je gagne de l'argent. Allez, retourne la roue. Il a voulu me doubler, lui. Pas la voiture, s'il te plaît, pas la voiture. Oh, du RP, putain, non, frérot. Et le mec s'appelle Spider Game. J'ai acheté Spider-Man Remastered. Je crois que je vais aller jouer sur Spider-Man, les gars. Je rigole même, hop, pousse-toi, toi. On va aller faire la planque tout de suite. Elle est où? Où es-tu, petite planque? Dans le nord avec le colis GG. Bon, bah, on va faire une petite balade, ça va nous détendre. Ah là là, il y a des choses dans la vie que tu regrettes et que t'es obligé d'accepter de vivre avec.
compliqué. Hein. Bon, là, c'est rien, c'est qu'un jeu vidéo, mais putain, je regrette de l'avoir acheté. J'aurais aimé ne pas l'acheter, quoi. Faut que je mette tout dans mes business au début. Allez, objectif, les 200 000 dollars. Oh non, le loup. Bah oui, le loup. Oh, le loup, oh, le loup. Les gars, je suis à deux doigts de couper la vidéo et d'aller poncer l'émission de Dax. Je vous les montre pas en vidéo, mais je suis à deux doigts de le faire. Bon, c'est pas perdu, l'argent n'est pas perdu, les gars. L'argent n'est pas perdu, genre, la Windsor Drop, de toute façon, tôt ou tard, je l'aurais acheté, elle est magnifique. Même, j'aime pas la capote, ben, c'est pas grave, je décapote, et puis voilà, c'est bon. Allez, les grenades. Le papier, elle papelle. 28-11-97, let's go. Allez, ça c'est dans la boîte. On se casse. Ouais, faut. C'est trop dur, GTA Online. Hein, franchement, c'est plus comme avant. C'est encore plus dur qu'avant, je trouve. Enfin, non. Enfin, il faut prendre l'acide. T'as pas le choix, frérot. Je recommencerai plus jamais, franchement. J'espère du fond du cœur que je recommencerai plus jamais GTA Online. C'est la dernière fois parce que je me sens pas d'attaque pour recommencer à zéro là. Là j'ai plus la foi là. Putain le chrono vélo il est à l'autre bout. Il est sur le mont Gordo là. Ah j'ai eu quoi? Bunker. Ok. J'aurais peut-être pas dû améliorer le bunker sinon. J'aurais dû acheter la meth et le cannabis pour la boîte. Trouver le colis de GG à tous les coups, il est dans le container. Non, il est pas là. Ah sinon t'as la ca. Ah oui, il doit être là-haut. Non, il n'est pas là non plus. Oh putain, j'ai. Il est peut-être là-bas. Non, il est pas là. Bon, ça commence à me gonfler là, le colis de GG. Peut-être ici. Non, on n'entend même pas le bip, les gars. Sans le bip, ça peut être trop galère à trouver. Donc, je crois que je vais abandonner. Hein. Tant pis, j'abandonne, les gars, je me casse. Changement de session, on va retourner à la boîte, on va voir si on a du stock. Mais j'ai pas fait d'AFK, donc ça risque d'être négatif. Eh, le prochain million que je me fais, je te jure, je le dépense pas. Bim, boum, boum, boum. Ça se crée en tant que boss, nice. 45 000 dans la boîte. Maigre consolation, hein. 42 000. Oh là 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 là. Bon, faudrait que je fasse une séance d'AFK, en fait. Soit je fais une séance d'AFK, soit je fais l'acide. Y a pas le choix. Soit je refais un contrat de Dr. Dre. Eh ouais, les gars, on prend pas toujours les bonnes décisions. C'est la vie. On va passer voir la coke, voir si c'est vraiment la misère. Oh là là, le truc. Ah, ça se crée en tant que boss. Président, c'est bon. L'air. Espoir, espoir. Es-tu là, espoir? 70 000, on a une petite vente à faire. On peut toujours tenter la vente, hein, c'est toujours ça. Pour 105 000, ouais, pour 150 000 dollars, c'est toujours ça, les gars. J'espère que j'ai une moto. Par contre, si j'ai les camions, les. Ah, monter sur la moto, nice, ok. Ok, faut s'accrocher. Ah, ça va être la fausse vente, je pense. En fait, la boîte de nuit, c'est vraiment le business impossible à mettre en place. Hein. Franchement. Enfin, c'est pas impossible, mais faut farmer comme un porc le contrat de Franklin, je pense. Mais genre pas une ou deux fois, quoi. Faut le faire 10 fois. Oh putain, y'a un mec. Me tire pas dessus, frérot. Me tire pas dessus, c'est bon. En plus, j'ai déjà fait la cache au trésor et tout ça. J'ai plus rien, là. On va y arriver, on va y arriver. Allez, pas de panique. Au pire, je coupe, je fais de l'AFK pour avoir 250 000 dans la boîte. Allez, nous voilà, nous arrivons. Ça va être une fake vente. On va avoir les flics. Si je peux mettre un petit gilet, ce serait pas de refus. J'ai pas de gilet. Bon, j'ai pas de gilet, j'ai pas d'argent. J'ai pas de skill. J'ai pas de cerveau. Tout va bien. Allez là, je sais que tu vas m'attirer dans un traquenard là. Voilà, il y a les flics. Voilà, il y a les agents du FBI. Voilà. Apporter de la cocaïne. Bah voilà. Oh, en plus, c'est bugged. Voilà, là, on meurt. Heureusement j'ai des encas. Heureusement j'ai des encas. On appelle Lester. Normalement ça passe Lester. Et on se tape toute la map dans l'autre sens. Oh là là là. Bon bah vous savez ce qu'il faut pas faire les gars. Quand vous avez 1,2 million, 1,3 million, au lieu de claquer cet argent, mettez-le de côté, faites pas comme moi. Pour une voiture qui vous rapportera rien. À part une courte satisfaction d'avoir une belle voiture dans votre garage. Et 157 000, bon, écoutez, on sort la tête de l'eau doucement. On sort la tête de l'eau, c'est déjà positif. Allez, c'est l'épisode où on sort la tête de l'eau, ça va s'appeler comme ça. Je sors la tête de l'eau. Allez, on va au bunker, on va voir si on n'a pas une vente. Avec un peu d'espoir, 220 000. Bah, je peux te dire que ces 220 000 là, je suis pas prêt de les dépenser, les gars. C'est bon, c'est mort, je dépense plus mon argent. Je dépense plus mon argent, c'est fini.
Râle cul d'être à 0$. Franchement, râle cul. Ah, le collège a changé de place. Je me mets en passif parce qu'il va m'attaquer. Alors, où est-ce qu'il peut être? Ah, il est là. Je l'entends. Il doit être là dans le coin. Je l'ai entendu, frérot. Putain, mais il doit être dans les buissons carrément. Mais c'est impossible de le trouver. Ah, il est là. Putain, il est bien caché. Hein. 56 000. Allez, on continue de sortir la tête de l'eau. Est-ce que je vais pouvoir appeler Lester? Une 22. C'est mort. 5500 dans l'agence. Ok, c'est nice. C'est toujours ça. Heureusement que j'ai eu une vente de club de motards. Hein, parce que sinon, là, c'était la mort. Allez, c'est alors que nous allâmes au bunker. En sécure au surf cette fois. Olé, 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 olé. Mais non. Ils font chier, ces flics. Allez, on est arrivé au bunker. Et là, on croise les doigts, les gars. On croise les doigts. 5000$. Ok, les gars. Ok, tu veux la jouer comme ça, Rockstar? Ben, je vais repartir en mode acide. En fait, c'était une mauvaise idée, ce Tsum Tsum sans... Avec que la coke et tout. C'est une mauvaise idée, frérot. C'est pas possible, en fait, de jouer comme ça dans GTA Online. Bon, on va essayer de faire ça. Pour 300 000. Allez, 2 km. Oh, 5 km 58. Oh là là. Il va m'attaquer, lui. Ah non, il m'attaque pas, Adam. Merci, Adam. Adam ZZ, dédicace à toi, je te connais pas mais je t'apprécie parce que tu m'attaques pas. 2 km. Allez, on va y arriver les gars. Je continue de. Je crois en moi. C'est qu'une question de motivation. Faut se mettre un coup de pied au cul les gars. Non mais cet après-midi les gars, je vous le dis, hein, je vais faire l'acide. En Tsum Tsum, comme ça je vous montrerai pas l'émission parce que voilà, je les ai montrés déjà 2-3 fois sur la chaîne. Mais comme ça je reviendrai avec le camion d'acide les gars. Comme ça j'aurai acide, boîte de nuit, presque. Enfin boîte de nuit, bunker. Ça commencera à faire beaucoup là. En fait, jouer comme je voulais faire, c'est possible les gars, mais ça serait possible si Rockstar avait pas mis tous les véhicules à 2 millions de dollars en fait. Quand tu penses que c'est 4 ventes d'acide pour une voiture, quoi. Je sais pas combien de centaines de voitures. Laisse tomber. Bon, de toute façon, je veux pas tout acheter, moi, mais bon. Allez, alors, on est remonté aux 327 000. C'est nice, on a encore la moto à faire. Il faut que je répète les 500 000 dans cet épisode. 500 000 ou rien. Même sous la pluie, je remets pas la capote, elle est dégueulasse. Franchement, c'est une honte qu'on puisse pas la personnaliser. C'est une honte, Rockstar, vous avez entendu? C'est une honte. Ah ouais, un super véhicule que tu peux pas personnaliser le toit. Attention, l'accident là, je le vois venir. Voilà. Au passage, on va renvoyer Lup. Ouais, oh, j'ai de la caisse quand même ici. J'ai de la caisse, j'en ai pour combien là? 7 caisses. Et eh ben, si Lup nous ramène un 2 caisses, on vend. On vendra pour. On fera une petite vente, ouais. De toute façon, on va pas nous ramener 3 caisses quand même. La greluche. Ah ouais. À coup de chou-drag. Parfait, ça va aller vite. Allez, confirmé. Go la livrée, let's go. Combien de kilomètres? 6 km. Oh là là, mais c'est quoi ces distances de merde que j'ai aujourd'hui? Il y a une MK2, ok. Par contre, je vous préviens, je suis trop sensible psychologiquement aujourd'hui. Si je me fais péter, je rage quitte. Hein. J'éteins la console. Je continuerai l'épisode plus tard. Hein. Ah, là, j'ai pas la foi, là. C'est à cause du... Je te dis, ça te met au bord du précipice, le 0$. C'est pour ça qu'il faut l'éviter. Toujours garder de l'argent. Oh merde, putain, il est sur le sens inverse. Putain, tu mérites que je t'insulte toute ta famille, toi. C'est bon, c'est livré, c'est dans la poche. Nice. Coup de téléphone, non, c'est mort. Non, je vais me bouffer la cinématique, c'est hors de question, frérot. Maximum de PDG, bon bah. Vas-y les gars, je vais faire l'émission de Dax. Et je reviens pour la suite de l'épisode. D'accord, je reviens avec 1 million les gars. A tout de suite. Yo les gars, on est de retour. J'ai dit que je ferais juste l'émission de Dax, mais en fait ça fait 2 jours qui se sont écoulés. Et en 2 jours avec les potes sur Didi. Sur Didi. Avec les potes sur Discord, on s'est fait 6 casinos. J'ai refait un contrat de Dr. Dre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et j'ai fait toutes les missions de Dax. J'ai amélioré le camion d'acide. Donc j'ai un camion d'acide full amélioré. J'ai amélioré la sécurité sur tous mes business. J'ai acheté la meth. J'ai acheté le cannabis. Oh, je sais même plus les gars, je saurais même plus vous dire tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des étages de boîte de nuit, l'amélioration de sécurité, enfin bref, j'ai acheté trop de trucs les gars. Regardez où on en est. Et on a une vente de 400 000$ qui est prête. C'est nice. C'est nice. Voilà, c'était juste pour vous dire ça les potes. Moi je vais boire un verre au vanilla les gars. C'était juste pour vous prévenir à la fin de la vidéo de ce qui s'est passé, voilà. Et puis du coup on se retrouve demain les gars pour un nouvel épisode de Tsum Tsum. Mais surtout n'oubliez pas, on s'appelle hein, la bise.